Installés sur le site de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, au bord du lac Léman, le Rolex Learning Center séduit et étonne. Conçu par le bureau d'architecture japonais Sana, ce bâtiment novateur conjugue simplicité esthétique et complexité technique. Cyril Veillon, directeur de l'espace Archizoom de l'EPFL, nous en livre le mode d'emploi. L'EPFL est l'École polytechnique fédérale de Lausanne. La bibliothèque avait été créée pour 2000 étudiants maximum, mais maintenant on est à 8000 étudiants, plus 4000 chercheurs et collaborateurs. Donc il fallait absolument construire une nouvelle bibliothèque. Et c'était une opportunité de créer un lieu de rencontre. Les plus grands architectes du monde ont été invités. C'est déjà un concours historique. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'architecture, pratiquement. Jean Nouvel, Zaha Hadid, Herzog et de Meuron, Rem Koolhaas, toutes les grandes stars de l'architecture ont participé à ce concours. Et Zanaha, donc Kazuyose Jima et Ryui Nishizawa. Ce concours a été mémorable et est sorti ce projet étonnant qui était nouveau sous tous ses aspects, complètement inédit, le concept, la construction du bâtiment, rien n'était nouveau, mais il a presque occulté tous les autres par sa particularité et ça était extrêmement séducteur. Cette petite maquette à l'entrée du bâtiment est intéressante parce qu'on voit le concept voulu par les architectes d'une entrée centrale ici. Et pour accéder à cette entrée, le bâtiment se soulève des quatre côtés ici et on passe sous le bâtiment pour accéder au centre du bâtiment et après se diriger à l'intérieur de ce parc, de cette topographie. Et ça crée une atmosphère tout à fait particulière. C'est un lieu effectivement où déjà on a envie d'entrer, on a envie de passer sous ces voûtes et d'entrer dans le bâtiment. Une fois qu'on est à l'intérieur, les gens se rencontrent. On ne peut pas venir au Learning Center sans faire des rencontres fortuites. Plus important, je dirais, dans le Learning Center, c'est cette vague en béton, ces deux coques, deux immenses coques. C'était un défi d'ingénierie civile très important. Une des coques d'une portée aussi grande, ça n'avait jamais été fait. Elle a dû être coulée en une seule fois. Donc pendant un week-end, en deux jours, toutes les entreprises de béton de la région ont été mobilisées pour ça. C'était un balai de camions qui a circulé. Chaque coffrage avait un numéro GPS, donc les camions savaient où ils devaient venir couler le béton et ils ont coulé. Alors le bâtiment a amené un coup de projecteur sur les PFL assez phénoménal et c'est assez intéressant de remarquer l'effet marketing de l'architecture. Parce qu'un bâtiment comme ça, effectivement, est publié dans le monde entier. Alors si on demande aux architectes japonais de Zanaha qui ont construit le bâtiment, pourquoi ils ont créé cette forme, ils expliquent qu'on suit en fait, à l'intérieur la topographie de la région, comme ça, vallonnée, montagneuse. Et c'est vrai que quand on est dans ce bâtiment, on commence à rentrer, on a l'habitude des sols plats, et puis là, en rentrant dans le bâtiment, on commence un peu à monter, on voit que la pente est raide, et on a vraiment comme une sensation qu'on n'a jamais eue à l'intérieur, mais de marcher en montagne. L'architecture est un domaine qui est enseigné à l'EPFL depuis les années 50. Ça a d'ailleurs fait un petit peu de polémique, parce que c'est quand même... L'architecture, c'est pas un art, c'est pas de la science, ou je dirais plutôt c'est un art, c'est de la science, mais c'est ni complètement l'un ni complètement l'autre.